Méfie-toi. T'inquiète pas. C'est le moment d'en finir. J'arrive. Par sécurité. Fini. T'es foutu. Garde ton sang-froid. Allez, je suis prêt. Sous-moi ça. Devant toi. C'est la fin. Avec ma première bombe, j'ai tué plein de gens innocents. On appelle ça le karma. Et toi, t'es encore venu à mon secours? Je le ferai autant qu'il le faut.
Bande d'enfoirés! Si vous croyez que vous laissez faire, vous vous fourrez droit dans l'œil! Barret! Tifa! Faites attention! L'hélico va vous tirer dessus! Tu leur as bien résisté. Évidemment! Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas le leader pour rien! Bon, on n'a pas intérêt à traîner ici. Vous êtes prêts? Ouais. Mais moi, je fais de mon boulot, mon grand. Raté. Toi là-bas, touche pas à ce truc. Sérieusement, je crois que vous avez pas encore compris à qui vous avez affaire, les gars. Code de séparation d'urgence confirmé. Appuyez sur le bouton de lancement. Code de séparation d'urgence confirmé. Appuyez sur le bouton de lancement. Voilà, il n'y a plus qu'à. T'es vraiment collant! Code de séparation d'urgence confirmé. Appuyez sur le bouton de lancement. Vas-y, essaie. Oh, mais dites donc. Là, on va s'amuser. Je suis prêt. Il est rapide. Faites attention. Ça va être un vrai jeu d'enfant pour moi. T'en pirai. J'arrive! Alors? Toi qui as fait ça à Rune? C'est mon travail. Ouais, ah ouais? Faire. Et le mien, c'est de te mettre une verrouillée. Prends ça! Ça va? Deviens-toi! À toi l'honneur! Fais en finir vite fait! Allez, on lui rentre dedans! Papa. Mais c'est qu'une donne du fil à retordre en plus. Paré à bombarder. Attention. Hein? Sérieux? Toi alors tu recules devant rien pour arriver à tes fins. Mais bon, moi non plus. Gaffe à l'hélico. Largage effectué. Réarmement amorcé. Ah!
J'avais l'intention de descendre, en fait. Ah. Ouais, ben c'est toi qui feras le rapport. Allez, on va s'amuser ensemble maintenant. Ouais. Vous allez comprendre ce qui arrive. Quand on se frotte au fer. Ouais, aucun problème. Vous pensiez pas pouvoir vous en sortir comme ça après vous êtes mis les torcadons, j'espère. Faut jamais. C'est parti. J'arrive.
descendre avec ce câble. Lève-toi. Maniez-vous le train. On y va.
Barrett, Marlène est vivante. Hein ? Iris nous l'a dit. Iris ? C'est bien la fille qu'ils avaient capturée. Oui. C'est bien elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je suis partie me battre, je lui ai demandé de sauver Marlène. C'est vrai ? Vraiment vrai ? Hé ! Où est-ce que tu vas ? On va chez Iris, au bidonville du secteur 5. Et Marlène est là-bas, t'es sûr ? Ça me paraît logique. Dis-moi qu'elle y est ! J'ai besoin d'y croire ! Si elle y est pas, je t'en voudrais pas, c'est pas ta faute ! Enfin, je serais pas jouasse non plus, hein. Ça te dit quelque chose, les anciens ? J'en ai déjà entendu parler, mais... Il y a des livres de planétologie là-dessus. La première civilisation qui a cultivé la planète, c'est eux. Paraît même qu'ils lui parlent. À la planète. Alors les Turcs s'en prendraient à Iris à cause de ça. C'est dans mes veines que coule le sang des anciens. Je suis l'héritier légitime de la planète. Tu as échoué une fois de plus. Faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, ça va. On continue. Laissons-les passer. Quoi ? Je me demande bien ce qu'ils font là. Leur travail, sûrement. Concentre-toi sur Marlène pour l'instant. C'est la priorité. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de gens ensevelis. Faudrait pouvoir tout de suite dégager les détails. C'est vrai que le secteur 7 a été rayé de la carte ? Jessie se trouvait au pilier, il me semble. Oui. Biggs y était aussi. Mais je crois bien qu'ils étaient pas en état de marcher. Par contre, Wedge, il était en bas. Ah ouais. Allez, calme-toi. Il n'y a plus rien à craindre. Il faut qu'on parte à leur recherche. Il faut les retrouver. Hein ? Je te
dois absolument les ramener. D'accord. Cloud, si tu pouvais m'accompagner. Oui. Vraiment effroyable. Ça peut pas être un simple accident. C'est bien au secteur 5, hein. Dépêche-toi de m'amener auprès de Marlène. Oui. C'est au bord du bidonville. On y est presque. On pourrait pas accélérer un peu, là ? C'est toi qui nous retarde. Les bidonvilles sont... Barrette. Désolé, moi c'est Barrette. Je suis le papa de Marlène. Marlène, elle a une coupe au bol et des joues mignonnes comme des pommes qu'on a envie de mordre. Elle porte du rose. Une robe rose. La petite dort à l'étage. Et j'ai dit qu'elle dormait. Est-ce qu'on monte nous aussi? Je crois que ça me fera du bien de la voir. N'allez pas la réveiller en faisant du bruit. Aerys est parti à la Shinra. Désolé. Aerys est parti chercher Marlène parce que je lui ai demandé. Elle nous a vraiment aidés, alors qu'on se connaissait à peine. Et du coup, je me suis reposée sur elle. Tout ça n'est pas votre faute. Tel était son destin. Je savais que ça arriverait un jour. Oh. Ah. Parce que c'est une ancienne, c'est ça? Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit? Je vois qu'elle vous faisait vraiment confiance. C'est vrai. Aerys est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Ce n'est pas le cas pour moi. En vérité... Aerys est ma fille adoptive. C'était il y a 15 ans déjà. Mon mari était militaire, on l'avait envoyé en première ligne. Dans une lettre, il disait qu'il allait rentrer pour une permission. Le jour prévu, je suis allée à la gare pour l'accueillir. Mais mon mari n'est pas rentré ce jour-là. J'ai craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Non, sa permission a simplement dû être annulée, me disais-je.
J'allais tous les jours à la gare, dans l'espoir de le voir arriver. Et c'est là que je rencontrais la petite et sa mère. S'était-elle enfuie de Wall Market? Ou bien avait-elle eu une raison de quitter le plateau? On voyait parfois ces choses-là en temps de guerre. Emmener Aerys dans un lieu sûr. Telles furent les dernières volontés de sa mère. Mon mari ne rentrait pas, et je me sentais seule. Alors, j'ai décidé de la ramener à la maison ce jour-là. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, elle et moi. Elle adorait parler. Elle m'a raconté tellement de choses. Qu'elle et sa mère s'étaient enfuis d'une espèce de laboratoire. Que sa mère était simplement retournée à la planète et qu'il n'y avait pas de quoi être triste. Retournée à la planète. C'est la théorie des planétologues. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je lui ai demandé si elle était partie dans le ciel. Elle a dit « Non, elle est au cœur de cette planète. » Ah, c'était une petite fille bien étrange. Maman, il faut pas que tu pleures. Un beau jour, elle a dit ces mots sans crier gare. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire... Le monsieur que tu aimais très fort, il est mort. Tu sais, son âme est venue te dire au revoir. Mais à la fin, il a dû retourner auprès de la planète. Je n'ai pas voulu la croire. Mais... quelques jours plus tard, je reçus une lettre par la poste. Elle m'annonçait que mon mari était mort à la guerre. C'était le genre de choses qu'elle disait. Malgré tout ça, nous menions une vie heureuse. Mais un beau jour... Oui, j'arrive! Aerys, tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. Bien évidemment, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par « ancien ». Les anciens pourront nous aider à trouver la terre promise que nous recherchons, ce lieu qui détient le secret du bonheur suprême. On parle de mythes, de métaphores. Son existence même est incertaine. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la Terre Promise existe et qu'elle n'a rien d'une utopie. La compagnie Shinra bénéficierait énormément de l'aide d'Aerys. C'est pas vrai! Je suis pas une ancienne! Mais dis-moi, Aerys, même quand tu es seule parfois, ça t'arrive d'entendre des voix, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai! Ce qu'il m'avait décrit ne me semblait que trop familier. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme en noir disait très certainement la vérité. Ils ne sont pas venus l'enlever alors qu'ils savaient où elle se trouvait. Ça ne ressemble pas aux Turc. Ils disaient qu'ils avaient besoin qu'Aerys les aide de façon spontanée. Ce qui veut dire que même s'ils l'ont emmenée avec eux dans leur tour, ils doivent sans doute la traiter en tant qu'invitée. Elle va les aider et ils la raccompagneront à la maison. J'en doute fort. Tu comptes aller faire quoi? Ne va pas compliquer la situation. Si jamais il arrivait un malheur à Aerys,
J'en mourrai. Pitié. Je t'en supplie. Cloud, la mère d'Iris a raison. Elle rentrera sans doute après les avoir aidés. En tout cas, on peut attendre un peu, tu ne crois pas? Vous voulez pas retourner au secteur 7? On va avoir du boulot là-bas. J'aimerais au moins qu'on jette un œil au 7e ciel. Bon, d'accord. L'entrée du secteur 7 est sous les décombres. Comment on va faire? On pourra pas passer. Le passage souterrain du parc. Ah, bonne idée! Encore faut-il arriver au parc. Il y a un chemin secret pour y aller. Aerys m'en a parlé. Eh ben, c'est le bon plan d'avoir une copine ancienne. Attends, c'est pas ce que je voulais dire! Mon cœur bat encore très fort. Ce bruit était vraiment effroyable. Ça peut pas être un simple accident. Moi qui étais soulagé que la guerre soit finie. C'est là. Allez, on y va, et vite! C'est du mal, Fontaine. Tant mieux! C'est bloqué. Essayons par là. Il y a pas mal de monstres. Mais ça devrait être gérable. Continuez comme
Victoire!
Allez. Tifa. On y va. Tu crois qu'on peut sortir par ce côté? Non. Il paraît qu'il y a des monstres. J'en reviens pas d'être en vie. Et les autres alors? Je sais pas. Je suis désolé. Je vois. Je suis tellement content que tu sois vivant. Ça me redonne un peu d'espoir. Oh, la guigne. On sait jamais ce qui peut arriver. Mieux vaut donc bien se préparer. Sois prudent. La guigne. J'avoue que je sais même pas par où commencer. Vous aider. Marle. Ah, c'est vous. On y va. Un, deux. Bien joué. Merci. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Et maintenant, quel est le programme? Bonne question. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de notre aide. Dis-moi, est-ce que tu es retourné au bar? Non. Si vous alliez y faire un tour, déjà. Bon. D'abord le bar. Et après ça, on verra. Comme vous le voyez, les routes sont couvertes de débris.
Alors faites attention où vous mettez les pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Répondez-moi, s'il vous plaît !